sous l'initiative du maire de Kédougou, qui est venu voir ONU Femmes après son installation pour voir quelles sont les possibilités de partenariat pour améliorer les conditions de vie des femmes de la région de Kédougou et aussi assurer leur autonomisation. ONU Femmes a montré en tout cas une détermination, un engagement total et nous a fait un retour très rapide pour organiser un rendez-vous. D'où l'importance de le souligner et de remercier encore davantage ONU Femmes. Nous sommes venus en pleine campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour porter le plaidoyer auprès des femmes, auprès des autorités coutumières, auprès des autorités politiques pour que cette violence sur les femmes et les filles cesse. Donc nous, c'est une opportunité pour nous de voir les réalités de la région, de voir quelles sont les opportunités qui s'offrent pour accompagner les femmes dans les activités d'autonomisation économique et sur la gouvernance et aussi pour lutter contre ces violences. Je considère que c'est une occasion importante pour les femmes de la région de Kédougou. Je ne parle pas simplement des femmes de la commune de Kédougou. Bien sûr, on a commencé, mais l'objectif, c'est d'aller au-delà de ça. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons cette responsabilité, en tant qu'élus, de nous battre auprès des femmes, parce qu'on sait très bien, en accompagnant les femmes, nous accompagnons la région, nous accompagnons les familles, et surtout la nouvelle génération. On sait que l'éducation, principalement, elle est basée auprès des femmes, auprès de nos mamans. Nous avons vu qu'il y a un grand besoin d'accompagner les femmes sur les activités économiques. Hier, nous avons été à Harahaina. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les femmes travaillent dans les mines. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas d'autres activités. C'est pour ça. Mais nous avons discuté avec ces femmes et on leur a montré qu'il y a possibilité de faire du maraîchage. Elles ont exprimé ces besoins d'alléger les travaux domestiques des femmes et de faire d'autres activités économiques pour qu'elles puissent sortir progressivement de ces mines avec d'autres activités qui vont leur permettre de gagner des revenus. C'est que l'engagement doit être de tous les côtés. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé, que j'ai demandé à l'ensemble de l'équipe municipale, en tout cas de s'engager auprès de ONU Femmes. Et c'est pour cela, malgré les situations difficiles, la municipalité de Kédougou s'engage dès aujourd'hui, avec les premières actions, de mettre 5 millions à la disposition de ONU Femmes avec les femmes de Kédougou pour les accompagner dans leurs divers projets. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est l'intérêt de Kédougou, l'intérêt des femmes de Kédougou et l'intérêt de la population de Kédougou. Nous allons accompagner plusieurs groupements de femmes dans le cadre de leur autonomisation, mais particulièrement, moi je crois vraiment au maraîchage. Pourquoi le maraîchage? Parce que beaucoup de nos femmes aujourd'hui cultivent et sont dans des situations très difficiles. Elles vont au marché pour vendre, afin d'acheter des cahiers et des stylos pour leurs enfants, pour aller à l'école. L'accès aux terres, c'est un vrai problème, mais nous savons exactement aussi que ce problème, nous pouvons le résoudre. Parce qu'il y a des terres qui ne sont pas cultivées. Nous devons aller avec les propriétaires afin de leur permettre d'avoir ces terres-là. Mais au-delà de ça aussi, ce qui pose problème, c'est le matériel. Par exemple, par rapport à l'accès à l'eau. Comment nous allons faciliter cela pour que leur tâche aujourd'hui soit en quelque sorte allégée ?